Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur un gros réveille-toi à l'écran, donc sur Pokémon Arceus sur Switch, donc qui sort aujourd'hui le 28 au moment où je tourne cette vidéo. Alors, Pokémon Arceus, enfin Légende Arceus ou Arceus, je sais pas trop comment on dit. Je vous ai passé, il y a une petite cinématique au début, je l'ai passé. Petite cinématique où on choisit son perso. Alors vous allez le voir, je sais pas si on va pouvoir vraiment le voir dans cette vidéo découverte, mais ça n'a rien à voir avec les jeux Pokémon habituels, puisque dans ce Pokémon, on n'a pas de système d'arène et de badge. En gros, on est dans la région de la quatrième génération. J'ai oublié le nom de la région, j'ai un trou. Et en gros, on va devoir, avec le tout premier Pokédex et l'invention des Pokéballs, on va devoir étudier les Pokémon. Et dans chaque zone, il y aura un Pokémon un peu spécial. Voilà, il y aura des choses à faire comme ça, des quêtes, un peu comme dans un RPG. Et donc, c'est pas du tout le système habituel des Pokémon avec les arènes et tout. Là, j'ai un peu peur parce que la seule fois où ils ont fait ça, c'était Lune et Soleil, je crois. Je les ai pas terminés, j'ai trouvé ça nul. Donc. Bon. Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages? Non. Quelque part, ouais. Non. C'est pas ce qu'on fout là, donc à un moment donné. Et donc vous allez voir aussi, pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos de gameplay qui ont été montrées et tout, que maintenant pour capturer les Pokémon, tout, ça ne fonctionne plus du tout de la même façon. On n'est pas obligé, comment dire, d'engager un combat. On peut les capturer en les prenant par surprise, tout. Enfin, il y a vraiment. Ok. Bon, alors, je voudrais pas être méchant pour commencer. On va faire un premier constat quand même. Game Freaks, ils sont vraiment nuls quand il s'agit de développer des moteurs graphiques. Ce que je vois quand je tourne la caméra, bon, c'est pas d'une fluidité extraordinaire, même si par rapport à ce qu'on avait vu dans les premières vidéos, c'est carrément mieux. Mais en plus. C'est quand même un peu moche. Quand on voit Zelda Breath of the Wild, qui est techniquement qui est pas non plus le plus beau jeu du monde, mais en tout cas c'est largement plus beau que ça. Quand on voit les Mario, quand on voit. Je sais bien que la Switch elle est limitée, mais là c'est quand même très moche. Techniquement. On va pas se mentir, ça pique un peu. Après, heureusement, tout l'intérêt n'est pas là. Voilà. Pas à la rencontre de tous les Pokémon. Ah non, je veux bien à chaque fois qu'on me dise, ouais, mais la Switch elle est limitée et tout. Mais là, en plus de pas être beau, c'est plein d'aliasing, plein de clipping. Non, c'est quand même pas terrible à ce niveau-là. Game Freaks, il va falloir les aider un jour parce qu'ils sont vraiment nuls pour les moteurs graphiques. Hein. Allez. Va falloir qu'on en choisisse un des trois, certainement. Tiplouf. Ah, mais oui, non, Tiplouf, c'est pas lui.
50. Ah ouais. Oui, là en fait on est au tout début, c'est-à-dire que là on vient d'inventer les Pokéballs en gros. Ok. ZDR. Ah, parce que attendez, oui, c'est celui-là. Je joue jamais. Enfin, je joue rarement sur Switch. Voilà, c'est le début, hein. C'est pour apprendre à les lancer. Donc, c'est sûr que ça va être assez facile et que. Je pense qu'ils vont pas trop réagir. Quand à chaque fois que je joue genre un truc où il faut viser sur la Switch, comme les FPS, comme tout ça, j'ai toujours du mal avec la sensibilité des sticks. Bon, ça va, ils ont été sympas. Donc là, vous voyez tout le principe de base du jeu. Et non. Allez, comme il est nul pour les attraper, forcément. Allez, dépêche-toi. Je vais pas lui dire non parce que c'est le but du jeu. Allez, laissez-moi passer. Bande de troufions. Bon, je suis désolé, c'est un petit peu long. Après, on s'en doutait, hein, mais bon. C'est vraiment pour découvrir le jeu ensemble. Après, je vous laisserai le plaisir d'aller plus loin de votre côté, si le jeu vous intéresse. J'espère que pour ceux qui hésitent, ça leur donnera une idée de si oui ou non. Ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Oui, donc là, il y a le groupe Galaxy. Vous vous souvenez, il y avait la Team Galaxy à un moment donné. Et c'était un peu des gros cons. Et bah, dans celui-là,
Ils veulent en apprendre plus sur les Pokémon, ils veulent développer des choses et tout, et donc c'est pas vraiment des gros cons. En tout cas, là, comme ça, ils ont rien à voir avec ce qu'ils étaient au début dans... Je sais plus dans quel Pokémon c'était. C'était pas dans Perle? Je sais plus. Il y en a eu tellement que je me mélange un peu. D'accord. Ok. Bon. On a une carte. Après, c'est des zones en fait. C'est pas un... Ah. C'est quand même un peu un monde ouvert, on peut dire. Mais vous voyez, en fait, c'est des zones comme ça qui vont se débloquer petit à petit. Et entre chaque zone, il y a un chargement, quoi. Voilà. Mais ça reste des zones relativement grandes dans lesquelles on peut se balader. Donc ça c'est plutôt positif. Quel bâtard. Bien l'accueil. Mais non, on plaisante pas, je suis vraiment tombé du trou. Bon, c'est un petit peu long, je vous ferai peut-être des cuts. Vous êtes vraiment nuls, les gars. On va les pioncer pour arriver à l'épreuve prévue le lendemain. Faire un peu de gameplay. C'est pas mal. Ouais. La danse de première, c'est activité quotidienne. Ok. Donc on peut faire passer le temps comme ça. Sais pas ce qui se passe, mais ça a pas l'air fun.
Voilà, on va pouvoir choisir. Allez, laisse-moi tranquille, j'aimerais bien aller faire mon épreuve. Alors, arrête de blablater, ça c'est un peu chiant, ça blablate encore et encore pour rien. Allez, un combat. Parce qu'il y aura quand même des combats avec des contre des dresseurs. Bon, là, comme c'est un tuto. Déplacer, ça rend les combats quand même un peu plus dynamiques, même si ça sert pas à grand chose de se déplacer, on peut le faire. Voilà. Hop, voilà. Oui, laisse-moi. Merci, tes potions. Allez, laisse-moi tranquille. Je vais aller faire mon épreuve parce que là, on va même pas avoir le temps de voir une épreuve ou de faire quoi que ce soit. Allez, direction les plaines d'obsidienne. Bon, j'ai encore coupé. J'espère sincèrement que ça va pas blablater comme ça tout le temps pendant tout le jeu et que c'est vraiment pour le début. Parce que si à chaque fois qu'on doit faire quelque chose, il y a quatre persos qui viennent nous parler pour ne rien dire en plus, ça va être relou. Regardez, ça va blablater encore pour me dire encore la même chose, alors que je sais ce que je dois faire depuis 10 minutes, mais ça va encore blablater. Laissez-moi tranquille. Voilà, bah oui, quelle chance, dis donc, je dois l'attraper, il arrive devant moi. Laissez-moi tranquille, allez. Là, ça me saoule déjà. Quel gogol. Ah bon, la pécho par surprise. Ça suffit.
Voilà, de toute façon, c'est le début du jeu, ça va être facile, hein. Je pense que là. Voilà, mon Dieu, je suis désolé d'insister là-dessus, mais mon Dieu, que c'est moche. Oh là là. Ils ont quand même abusé. Je l'ai déjà fait, ça, les gars. Allez, lâche-moi. D'accord, c'est pas un truc que je peux lui balancer, ça. On va essayer de. De s'approcher gentiment. Ah bon, j'ai envoyé un hérisson de votre lui. Bon, après, il est niveau 2, donc. Là, on le fait vraiment à l'ancienne. Hop. Là, c'est une capture à l'ancienne. Voilà, mais là, le problème, c'est que s'il s'enfuit. Affaibli comme il est, je peux plus l'attaquer. Hein. Allez, on peut rentrer au village, s'il vous plaît. Bon, voilà, on va aller au siège. Bon, je suis désolé, dans cette vidéo, c'est plutôt tranquille, il se passe pas grand-chose, c'est le début du jeu en même temps. Je vais cutter pas mal de petits trucs parce que les dialogues interminables pour pas dire grand chose. On va les cut. Hein. Mais j'ai réussi, change de tête. Oui, on va se changer. Hein. On peut changer la couleur des yeux comme ça. D'accord. Oui. Un béret. C'est vrai qu'il y a toujours une sorte de béret dans Pokémon, à chaque fois sur les persos. Suis obligé. Oh, mais lâchez-moi!
Ouais, laissez-moi tranquille pour l'instant. Problème, c'est que les jeux Pokémon, en plus, c'est toujours au début sur un rythme assez lent et les persos mettent des plombes à parler. On va regarder ça, puis on va s'arrêter là. Ouais, en fait, c'est très très simple. Il suffit d'avoir les bons trucs et puis voilà, il y a juste à cliquer et ok. Ok. On va s'arrêter là pour la vidéo parce que c'est long et ça parle trop. Allez, stop, arrêtez de causer. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo. C'était un petit peu long, un petit peu lent, je suis désolé, je vais couper au maximum les phases de dialogue, les trucs un peu trop longs. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.